First Strike et Ignite. TP Ignite en plus, c'est vilain ça. Et le pire, c'est que ça va pas y aller d'un coup. Votre bande de potes avec qui vous vous marrez tous les jours et avec qui vous avez l'impression que c'est éternel, ça va se détruire petit à petit sans même que vous vous en rendiez compte. C'est la stricte vérité. Il y en a un qui va partir, puis un autre, puis un autre, et ça va être espacé par des mois, par des années. Vous allez trouver d'autres gens en chemin, mais ce sera jamais comme avant. Bon, sur ces belles paroles, on va s'envoyer une petite solo queue dans la gueule contre Naafiri, First Strike, TP, Ignite. En plus, le perso a été buff sur le patch, je crois, donc peut-être que je vais perdre en early. Je sais pas du tout de quoi c'est capable, on va voir. Merci Winter Fire Strike pour les 27 mois d'abonnement. Bon, est-ce que je gagne en early contre ça? J'en ai pas la moindre idée. J'aurais pas dû vous dire ça, putain, vous êtes tous dans un bad mood maintenant. Non mais c'est pas grave, vous allez découvrir des nouvelles personnes et évoluer dans la vie et vos hobbies vont changer, c'est pas grave, c'est la vie. Regardez comme on passe un bon moment, je peux frapper les chiens de Naafiri et gagner de la furie dessus. Tout va bien. En vrai, je pense que mon flit est pas mal. Ce perso, il cherche à me kite. En vrai, all-in dans les creeps, ça me paraît pas trop possible à cause de l'ignite. Ça peut trop retourner une action, ignite plus les dégâts des creeps. Ouais. Et grâce à la mouvement de speed du fleet footwork, je peux aller beaucoup plus loin et lui mettre une autre auto. Vu qu'elle va toujours faire sa petite pirouette là quand je cherche à l'all-in. Je pense que c'était le bon coup. Putain, mais ça s'arrête jamais d'Arras par contre! Et je suis obligé de respecter à cause de l'ignite. C'est un push de fou son perso, non? J'arrive pas à prendre le contrôle de la lane. Elle push trop. Elle balance ses sorts en boucle, puis pouf! Elle a tout le temps le push. Oh non, elle va gratter un kill gratos. Que branle mon Yasuo? Ok, j'ai rien dit, c'est une légende, respect à toi. C'est une légende! Oh! Arcanata a créé un nouveau compte! C'est le pire joueur. Non, c'est abusé de feed le Kayn comme ça, il abuse. Bon, elle a certainement plus d'ignite. Je vous jure, je comprends pas trop ce qui se passe. Elle reste à 3 km, il y a des chiens qui me sautent dessus de temps en temps. Elle fait des pirouettes. Ah! Nice, j'ai mon slow sur elle. Putain, elle s'est permis de farm devant moi, elle m'a pas respecté. Elle a balancé son dernier loup pour gratter un creep. En plein all-in. Je sais pas quoi en penser de Naafiri. Le perso a été buff pendant très longtemps.
il était considéré comme à chier parce qu'il est équilibré pour le Bailo et qu'en Bailo ça devient trop vite fort vu que c'est un assassin très facile à jouer. Mais je sais pas où ça en est là actuellement. Est-ce que c'est un champion? Est-ce que c'est proche d'un troll pick? Est-ce que c'est pas viable au-dessus du gold? Je ne sais pas. Trinda press the attack, est-ce que ça existe? Pas vraiment. C'est plutôt fleet ou poigne. Parce que dans l'idée, ok, press the attack, ça peut être bien sur les all-in que tu mets plus tard dans la partie. Mais... dans les faits, c'est tellement, tellement moins bien en lane et c'est pas forcément mieux plus tard. Genre par exemple, la mobilité d'un fleet va être plus intéressant qu'un PTA sur Trinda, je trouve. Puis mettre 3 auto-attaques sur la même personne avec Trinda, en vrai, c'est... en teamfight, ça peut être compliqué. Hein. Ok, là, elle va grid pour ça. Faut en profiter. Ok, j'ai même pas à claquer le R. En vrai, j'ai encore l'ulti. Hein. Je pourrais garder sa freeze. Regagner un peu d'HP quand même. Arcanata joue encore. Bah ouais, il est dans ma game. Le Yasmo, c'est Arcanata. Tu ne crois pas, t'es un jaloux. En vrai, c'est peut-être encore un... je sais pas. Je sais pas si c'est Stride ou Hydre. Oh mon dieu, il fait sa pirouette. Attends, avec la mouvement de speed du fleet. La mouvement de speed du fleet, c'est quelque chose quand même. Surtout que, ok, ils ont nerf la sustain, mais ils ont passé la mouvement de speed du fleet de 1 seconde à 1,25 secondes. Et ça, pour un perso comme Trinda, c'est un buff. C'est pas comme si le perso manquait de sustain. Je m'en fous de perdre de la sustain. En revanche, 0,25 secondes en plus pendant lesquelles je suis très dur à kite, ça je veux. Ouais, c'est ça. De toute façon, de manière générale, si t'as pas press the attack, PTA c'est vraiment pas terrible. Et c'est très dur de rendre press the attack mieux en lane qu'une maîtrise de lane, on va dire. Une maîtrise de lane... bah comme fleet. Comme poigne. Même Kong, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser en lane. Phase rush aussi, enfin bref. Tu duo plus avec Pandore ou le joue sur son compte Jinx? Non, je suis avec Arcanata cette game. Arcanata s'est connecté sur un nouveau compte, il reprend le jeu et là je suis en duo avec Arcanata. Putain, Arca, t'abuses! Je te l'avais dit! Bon, en vrai, ça reset le bounty du coup, c'est pas mal. Oh! Putain, la tourelle elle était hésitante, j'ai l'impression. Elle a mis du temps à se décider à qui frapper. J'ai bien réfléchi et sans le strike, je pense que je vais souffrir d'un énorme malaise. Disengage. Disengage kite. Disengage kite. Long range, disengage kite. Long range, disengage kite. Ouais, je pense que c'est une game stride. En soi, l'Hydra, c'est beaucoup plus plaisant, mais... il y a des games où, sans stride, je pense que c'est trop dur de jouer. Après, peut-être que je surestime le stride sur Trinda, à voir. L'avenir nous le dira. Attends, quoi? Pourquoi? Pourquoi il revient se foutre de ma gueule comme ça? Eat.
rush quoi ma Jinx? Tu fais quoi avec ça? What the fuck? En fait j'ai souvent l'impression que les gens trollent mais je pense que c'est juste je connais pas les nouveautés. Après parfois ils trollent vraiment. Enfin c'est pas qu'ils trollent mais ils font des mauvais choix. Du coup c'est dur de savoir, c'est dur de démêler le vrai du faux. Beaucoup de mensonges. Hop. Oh, un dragon de l'air, c'est trop bien ça. Ah, c'est avec Kraken que tu fais ça? Ah, mais ouais, ok, ok. Ok, ça fait sens. Et Kraken, c'est le rush item de Jinx, du coup. Ah, peut-être que c'est normal, en fait. C'est vrai que sur les persos long range comme ça, genre, je sais pas, Tristana, Jinx, j'ai vu des Kraken en rush item. Gragas c'est trop fort, t'es overfield et t'as quand même dû claquer R plus Ghost, sachant qu'il a un troll. Mais ouais, après je suis le type de perso contre lequel Gragas excelle. C'est-à-dire un melee auto-attaque all-in. Gragas a le kit parfait pour se foutre de la gueule d'un perso qui, bah, qui est comme ça. Mais ouais, quand tu joues des trucs comme Jax, Trinda, Gragas... Après en vrai, quand tu joues beaucoup de choses Gragas... Mais particulièrement avec ce que je joue. Avec Greg... Avec Kraken. Avec Garen, c'est déjà pas pareil. Vas-y, Arcanata! J'avais pas vu ton message! Sleepix, tu es ce goat. Sleepix, je suis désolé pour ce que je t'ai mis, mais tu comprends, c'est le tryhard. Hein. On est là pour tryhard. Hein. J'espère que tu m'en veux pas et que ta montée sur ton nouveau compte se passe bien aussi. Merci à Badacor360 et Anarchia697 pour les abonnements. En vrai, je suis tellement maxé de R, j'ai pas de CDR. Kraken into crit, oui, pour Jinx. Ok. Attends, je vais regarder Arcanata jouer là un peu. Ça va être un petit délice. Oh, oui, montre-nous, Arca. Oh, il esquive avec le flit. Oh là là, il est mort. Je pense que ça se tapote cette tour. Il joue quoi Sleepix avec Gragas en face? Attends, mais ils veulent me faire des choses dégueulasses là. Mais c'est quoi ça? Ah merde, j'ai pas d'ulti, j'avais pas fait gaffe. Ça c'est un de mes grands classiques. Ça c'est un de mes grands classiques quand je joue Trinda. Je sors de la base. Et du coup, vu que je suis sorti de la base, je me dis bon, depuis le temps, mon ulti a eu le temps de repop, logique. Mais en fait, non, j'ai toujours pas d'ulti. Et du coup, je sors de là-bas, je prends direct une action, je meurs parce que j'ai pas d'ulti. Classique. Ça, c'est un de mes grands classiques. Je ne suis pas fier de ce classique. Il y a tellement de sustain et il y a une Soraka. En vrai, c'est un mortal en 3. Hein. Sustain, sustain, sustain. Fleet, heal, sustain. Soraka, sustain. Full sustain, il faut un mortal en 3. Oh mon dieu, le Yasu Diana. Ok, j'ai pas mon E, je vais attendre qu'il E les creep.
Ok Sleepix, t'as merdé là, je te le dis. Non ! Oh Gragas ! Oh Gragas, le perso Rigolux. C'est pas grave, il va payer, je vais frapper sa tour. Et après je veux le frapper lui. Et je vais te frapper toi aussi. Ok, il a plus l'ulti pour disengage. En vrai, si je prends la tour, il y a beaucoup moins de menaces. Hein. C'est la tour qui fait mal, c'est pas eux. Tiens. Non. Attends, il est où le reste de la map? Ok, non, c'est bon, il n'y a pas de reste de la map. Ah, ah, ah. Bon, Sleepix, t'as failli moodplay sous le Nexus, là. Mais je t'ai bien eu. Compliqué de te tuer, en vrai. Tu joues vraiment bien, ton Gragas. Après, l'aine contre Arca, ça devait être dur. Il a fait son raid tout à l'heure, ça sert à rien d'aller le check. Ah bah d'accord, merci pour ton 25e mois. Allez, ça va boire un petit jus. Ça s'envoie un petit jus. Ça a changé le fait que tu aies ton R level 11. En vrai, je pense que quand tu joues Stride, faut le maxer level 11 et level 16 parce que t'as pas de CDR. Mais je pense que quand tu joues Rush Hydrovorace, tu peux ne pas prendre de points dans le R comme avant. Après, peut-être que même quand tu prends le Stride, tu peux ne pas maxer le R. Je pense qu'il y en a qui font. Je sais pas, je suis pas un hater de mettre un point dans le R perso. Wow, wow, wow! Oh, j'ai appuyé sur tous mes boutons, j'ai paniqué! Putain, j'étais en train de répondre à la question et... Et il s'est passé trop de choses! Jin, il est arrivé de nulle part et pan, pan, pan! Je n'ai rien pu faire. Il me faut 100 gold pour le mortal. En vrai, si j'étais focus sur ce que je faisais, j'en tuais peut-être deux. Ou un. Ok, ça me paye le mortal. J'avoue que là, j'ai paniqué. J'étais en train de dire des conneries en même temps. Je sais même plus ce que je disais. Et voilà. C'est le deuxième Q de Naafiri qui m'a burst. Ah ouais, c'est ça? Il va falloir lui donner une bonne leçon. Tiens, toi aussi, je vais te donner une bonne leçon. En vrai, j'ai pas d'ulti. C'est peut-être moi qui vais recevoir une bonne leçon. Ah! Qu'est-ce qu'il vient de se faire? C'était misérable. Ah, Sleepix! Tu vas tâter de mon épée. Putain, elle est partie du bon côté. Non, mais si tu stream hack aussi. Ok, il y a une... Oh, il fait les tricks, Arcalata, c'est sûr. Arcalata, c'est dans les premiers à passer ce mur. Wow ! Quoi ? Il a anticipé son déplacement ! Je peux jurer que c'était Arcalata. Je peux jurer que le Yasuo c'était Arcanata. Tiens, je vais l'honore. Merci Lucator pour les 14 mois.